comme vous le savez, le président de la République a officiellement déclenché la campagne au roi. Là, on est déployé de nuit sur l'île pour mettre en place un pont aérien discret. De là, on va établir un premier contact avec la résistance locale, nommée Papa. Cette dernière nous sera d'un soutien précieux durant cette campagne. Par la suite, on va prendre la direction de l'objectif Ruby, où on va neutraliser toutes les forces en présence. Et d'après nos renseignements, le site abrite un des postes de commandement contrôlant une partie de l'île. De ce fait, nous en emparer nous donnera un indiscutable avantage. Le site abriterait également une zone carcérale, où l'un des principaux lieutenants de Papa y est séquestré, identifié comme Corias, donc nous en profiterons pour le libérer. Et dès qu'on aura totalement sécurisé Ruby, on va réhabiliter la zone aéroportuaire. Ça nous permettra d'envoyer le groupe aérien mixte 56, qui va débarquer donc sur l'île avec les moyens logistiques nécessaires à la suite de notre opération. Vous avez bien pris ? Ouais, c'est clair. Bien pris. Ok, en colonne de marche. Équipe Alpha débarquée. Ah, tous, j'avance sur objectif. Deux en couverture. C'est clair. Damoclès de Ghost Unité avons débarqué sur India. Recontactant sur Améthyste. Terminé. Ok, donc on va se diriger vers une route forestière qui se situe juste au-dessus de notre position. De là, on va rejoindre Améthyste et on va prendre rapidement possession d'Améthyste. Par contre, là, il va falloir faire extrêmement attention. C'est une position ennie. Donc on va poser des mines sur la route qui va mener à Saphir afin de couvrir notre avancée. Bien pris ? Ouais, c'est clair pour moi. C'est bien pris. Ok, en colonne de marche, vers Améthyste. Ok. Donc là, on va neutraliser le checkpoint et on va poser des mines. Est-ce que vous voyez des tangos? Je regarde sud-est. Ok, plein sud-est, 193 mètres, un sniper en haut des marches. Ah, t'es en plein devant ma ligne de feu, je vois rien. C'est le visuel. Il y a une tour de sniper, vous voyez, plein sud. Est-ce qu'il y a un tango dessus? J'ai des arbres qui gênent ma vision, je vois rien. Je vois les pieds de la tour, mais je vois pas ma tour. Affirmatif, ouais. J'ai un contact. Attends, la tour. Sud, plein sud de la tour. J'ai les pieds de la tour, mais je vois pas à l'intérieur. Peut-être que 4 a une meilleure vue. Non, pareil. 4, je suis gêné par les arbres. On va essayer de trouver un meilleur endroit en surplomb. Si 1 à tous, si 3 se ramène sur ma position. Sur le centre qui est juste en dessous de votre position, il aura un visuel sur le tango dans la tour. Ok, en déplacement. Leader, j'ai toujours le premier tango en visuel. Je peux te laisser ma place 3. Ah, c'est bon. 3, tu as en visuel le lance-roquette ? Ouais, j'ai un visuel. Tu peux la mettre. Négatif, il est tourné. J'ai des risques de provoquer une explosion. Dès qu'il sera de face ? Ouais, ouais. Je vais engager le tir. Autorisé. Négatif, faut que je me déplace. Ok. Pendant ce temps-là, 4. Tu te souviens du sniper ? Je vais aller. Ok. À mon troisième verre.
vers, vers, vers. Éliminé. J'engage le lance-roquette. À terre. Rien ne bouge. On va se rapprocher. Reçu. Hein, j'ouvre la marche direction sud-sud-est. Très proche. J'ai éliminé. Hein. Je vais récupérer le cadavre. Bien pris. Vous me couvrez, je vais poser des mines. Je t'en visuel. Et j'ai déposé des mines sur les trois versants de la route. Damoclès de Ghost Unité, avons sécurisé Améthyste. Recontactant sur Saphir. Terminé. Donc là, papa a laissé un poste radio dans un bâtiment proche de notre position. Je vais établir un premier contact avec lui et voir s'il a des informations à nous fournir. Bravo, vous restez à l'extérieur. Avec un, on va tenter une approche vers l'entrée. Ok, reçu sur votre position, reste en place. À partir de l'entrée, je vais prendre la gauche. Tu prends la droite, hein. Aucun visuel en thermique, hein. C'est clair. On a un drone en construction, une carte. Bravo, on peut recoller sur vous. Affiche. Bon, affirmatif. C'est clair à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai la radio. Alpha, je vais rentrer dans la maison. Alpha leader, j'ai rejoint le site. Reçu. Extérieur, protection. Damoclès de Ghost Unité sur Saphir, avons pris contact avec Papa, qui nous confirme que Corias est toujours détenu sur Ruby. Recontactons à Ruby. Terminé. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, on va se diriger vers Ruby. On va neutraliser l'objectif. De là, on va chercher le poste de commandement et on va prendre également possession de ce poste. Suite à mon appel radio, Papa vient de me confirmer que Corias est détenu dans l'une des cellules. Donc quand la zone sera totalement sécurisée, on va le libérer. À l'issue, on va préparer le terrain pour l'atterrissage du DHC-6 du groupe aérien mixte 56. Vous avez bien pris?
Ouais, c'est clair. Bien pris. J'ai. Sur la, ce qui semble être la tour de contrôle, il y a un mec au. Un tango lance-roquette. C'est à l'autre bout de l'aérodrome. Hein. Bien pris. Il y a une petite ouverture dans le grillage. On est à. Bravo, et on est à 25 mètres de vous. Hein. On arrive. Hein ? Oui. On va faire une insertion sur le site. Bien pris. Et on va essayer de sécuriser le premier bâtiment. Bien sûr. On vous suit ? Négatif. Ok, la position est pas très bonne, hein, on voit rien. Quand vous êtes dedans, vous êtes tout seul. Hein. Personne sur le premier, dans le premier hangar. Il y a une échelle qui monte sur le hangar 1. Vous pensez que c'est accessible pour vous? Moi, je vois rien de là où je suis. Je la vois. Vous êtes dans la petite pièce carrée à côté du hangar, là? Kat, vous pouvez répéter votre message? Vous êtes dans la petite pièce carrée à côté du hangar. Négatif, on est à la sortie du hangar vers le sud. Et sur la le petit sas, au-dessus du sas, donc le petit carré, il y a une échelle normalement. Est-ce que oui, vous pouvez l'atteindre et vous pouvez grimper dessus? On avance. Ah, je t'ai perdu. Ah, il est derrière, je suis derrière toi. Vous avez un visuel là, du coup, du haut du hangar ou pas? Attends, on est en train de monter là. Je suis arrivé dessus. Je progresse allongé. Ah putain. Bravo à Alpha, on est sur le hangar, on se déplace vers le sud du hangar. Bien pris, on est juste en dessous, hein, à l'entrée. Nombreux tangos sur site. Hein. Visuel de tango. Vous pouvez éliminer des tangos isolés, vous pensez, ou pas? Isolés pour l'instant, c'est pas évident. Celui de gauche, là. Moi, je prends celui de droite qui est devant le hangar. Devant quel hangar? Celui où on est dessus, là. Le premier, celui qui est le plus près, là. Faut faire attention parce que si on abat quelqu'un et qu'après il y a un autre tango qui découvre son cadavre, c'est alerte générale. Hein. Il y a deux autres tangos direction sud, à côté des cibles humaines, en carton.
On va sortir du hangar par le sud et on va faire le tour par derrière. Reçu. Ok, par l'ouest, quoi. Ah, leader, je te laisse ouvrir la marche. Si vous sortez après le deuxième hangar, vous êtes face à eux. Reçu 4. On avance. Ok, leader, je suis derrière toi. Le problème 4, si on élimine ceux que tu as indiqué, c'est que. Ok, il y a un souterrain vers l'est. Ceux qui sont de la piste de l'avion risqueraient de voir les cadavres. Je monte à l'échelle. Reçu. Je suis derrière vous. Ok, on a eu une vue sur les prisons. Corias doit être à l'intérieur. Je vois un tango plein sud dans l'armurerie. Ok, reçu. J'ai 4 tangos au nord-est, à s'éloigner. Je suis en visuel, hein? Exact. Je suis en visuel. Et je vois un lourd tout au loin, là aussi. Là, sur la piste d'atterrissage. Ok, reçu. Visuel sur le tango sud. J'imagine qu'il fait sa ronde autour du bâtiment 1. À peu près à 250 mètres. On n'a aucune idée, mais je pense qu'on va sécuriser le hangar numéro 2. Donc, Ok, reçu. Je descends. Ils sont trois. Hein. Sur les prisons. On va passer. Hein. Monsieur. Je grimpe. Leader, j'ai un visuel sur deux unités à l'est entre le bâtiment 3 et 2. Bien pris, en visuel également. Tu vas prendre celui qui est le plus à l'est et je prends celui qui est le plus à l'ouest. Ok, reçu. Non, mon troisième vert. Vert, vert, vert. Ok, unité à terre. Je vois un tango plein sud vers les bâtiments en tôle et en briques. Le dernier bâtiment, il est assez éloigné. Ok, reçu. On va progresser derrière les prisons. Reçu. Je suis derrière vous. Je regarde s'il y a Corias dans les cellules. Merci. Rien dans la deuxième cellule. Ok, Corias en visuel. Il y a la troisième cellule. Je vois un tango patrouille au nord-est devant le troisième hangar. Il est passé derrière. Hangar 1, vous voulez dire. C'est reçu.
Hangar 3 en partant du premier hangar près du grillage avec l'ouverture là où on est passé. Ok, ok, reçu. Je vais inverser l'ordre des. Ok. De Tango qui garde l'entrée du bâtiment en briques et en tôle plein l'ouest. Ok, reçu. Je suis pas certain que l'armurerie soit clear. Tu rentres par l'entrée du nord et je rentre par l'entrée sud. Attention à pas vous faire voir par les deux unités sud-est leader. Je m'approche de l'entrée nord. Pour l'instant j'ai aucun visuel à l'entrée sud. Ok, une unité down dans l'armurerie. Armurerie éclair, il y a. J'ai deux contacts pile en face de moi, plein sud. En visuel, ils sont quatre. Reçu. Je mets le cadavre de l'armurerie à couvert. Bien pris. Tu rejoindras ma position et on va les attirer avec des douilles. Donc, tu les abattras? Les 4 leaders? Négatif. 2. Tango. Ok, reçu. Ok, je rejoins votre position. Ils vont venir. Je sais pas ce que c'était, mais j'y vais quand même. Y'a rien ici, on se disperse. Maintenant. Il se passe un truc pas net. Ouvrons l'œil. Oh ! Les deux tangos à terre, leader. Ok. Plein sud. Un tango. Je vais essayer de la tirer. Faut l'abattre. Ok. Il y a un autre tango. Plein sud. Pareil. Il prend le même pattern. Il est bien, bien trop loin. Ok, j'ai un tir très très clair sur lui. Cependant, il y a une grosse entrée du hangar qui le couvre et on n'a pas de visuel sur les tangos potentiellement présents dans le regard. Annulez votre tir. Par contre, on a un tango nord-est, il arrive. Ils sont deux. Ils vont peut-être voir les cadavres. Ils sont deux. On reçu. Les cadavres sont peut-être derrière les boîtes. Hein. Attention, tango. Là nord, à l'entrée du hangar. Je vais la tirer. Il arrive. Faut l'abattre. Pour vous le dire. Il se passe un truc. C'est bon. Non. Hé, hey, j'ai trouvé un. J'entends quelqu'un tousser. Hein. Comme si t'allais faire quoi que ce soit si tu trouves. Ok, je la tire. Pour toi, hein. Hé, hey, on a eu droit au. Ils veulent être prêts à toutes les éventualités pour pas perdre la capitale. Tu peux l'abattre ? Même chose de mon côté. Regarde. Ok, abattu.
On n'a plus le tango à l'entrée. Hein. Vous êtes à l'intérieur. Tu désactives le mortier. Plein nest. Je te couvre. Ok. On fait une insertion dans le hangar qui est juste derrière. Le hangar 3. Oui. À côté de l'armurerie. Aussi. C'est un volitaire. Ok. Je prends la gauche. Leader, visuel sur Tango, sud-est, le long du mur, demande autorisation de tir. On garde tuile. Autorisé. Tango down. J'entre. De mon côté. La grande salle de hangar est claire aussi. Ferme-la un peu, tu veux. On trouvera un moyen. Je vois un tango à l'entrée du hangar, à une dizaine de mètres. Je l'attire à l'intérieur avec une douille. Tu l'abattras dès qu'il entre dans le hangar. Hein. Reçu. Pas de visuel sur Tango pour l'instant. Pas de réaction. Il est sourd comme un pot. Ça y est, il a une réaction. Monsieur leader, on attend du tango. Ça y est, il arrive. Monsieur. Attention leader. J'ai rien trouvé. Il entre. Nouvelle. Ton verre. C'est un tango que je vois en train de réparer le camion nord-est, accroupi. Affirmatif. Ok. Couvre-moi, je vais ramener le corps. Je vais le camoufler. Merci. Ok, je vois un lourd, plein est, sur la piste d'atterrissage. Pour l'instant, le hangar est clean. Ok, derrière un tango, plein nord. Il passe derrière. Si on m'est arrivé sur notre position, je me replace. Bien pris. Je couvre le sud-ouest. Dès que tu le vois, tu l'abats.
Ouais, je t'ai eu. Ah, leader, il a pas l'air de venir vers nous. On va le chercher. Reçu. Il est là. Visuel. Abattu. Pas de réaction. Négatif, ça avec le clair côté nord. On reprend. On va se diriger vers le bâtiment en briques et en tôle. Et reçu. On nettoie. Reçu. Tango, sud-est. Derrière les grillages. Monsieur. Je vais essayer de la tirer. Non, il est trop loin. Ah, il arrive. Je la tire encore, vers moi. Tu la battras. Hein. Ouais. J'ai encore rien vu d'intéressant. Dans le down. J'avance. Le lourd, on va essayer de trouver le lourd. Tu l'entends ? Bien pris. J'entends des échos à l'est, mais pas de visuel sur le lourd. Bien pris. Attention, les grillages. Visuel sur le lourd. Plein est. Reçu. Non, il est bien trop loin pour mon. Pour l'instant, c'est pas un danger immédiat. On va faire attention au grillage. Attention. Ok, visuel sur Tango, plein sud. Ok. On tire pas, hein, pour l'instant. Je vais la tirer. Je vais la tirer. Monsieur. J'ai bien entendu. Ok, il arrive. Attention au saut. Hein. J'entends des voix à l'intérieur. Je passe rapidement derrière les cartouches. Ok, je vois un tango. Il est à l'intérieur du hangar. Aussi. On va passer derrière. Attention, tour de contrôle. Je vois une échelle en haut du hangar.
Ok, je vois une entrée. Bien pris. Il y a au moins deux tangos. Hein. Voici. Je prends la gauche. Tire à vue. À fille. J'ai vu un tango derrière, le tank. Planora. Hein. Je te le laisse. Voici. Tango down. Bien pris. Monsieur. En visuel. Trois tangos, on donne. Reçu. Reste en gare avec l'air. Bien pris. On va ressortir. Il y a un béret rouge, plein est, devant le poste de commandement. Reçu. Visuel. Tourelle automatique juste derrière l'hélicoptère. On va le neutraliser. Tu me comprends? Confirmé, je te comprends, il y a. Désactivé. Reçu. Officier, bâtiment blanc a changé de position, certainement encore plus à l'est. Ah, 3. Oui. Des visuels dans la tour de contrôle. J'ai éliminé deux tangos, un au rez-de-chaussée, un au premier étage. Bien pris. Reçu. Arrive au niveau de l'hélico avec 4. 4 positions. Je suis 2. Bien pris. Il est avec moi, leader. Bien pris. On va investir les bâtiments blancs. On va traverser rapidement. Ah, leader, j'ai pas de visuel sur vous, mais on est à la tête de l'hélico. Ok, je suis de l'autre côté de la piste d'atterrissage. Leader a traversé, hein, elle est en face de vous. Je vous ai un visuel. Hein. On traverse. J'ai un contact au lieu d'un tango qui a l'air d'être souffrant. Rejoins sur leader. Ok. Reçu 3. On va voir s'il peut nous donner des intels. C'est plus à mon nord, hein. C'est pas du tout sur votre position. Ok. Voilà. Je pénètre le bâtiment. Ok, j'ai de précieuses informations. Quatre, vous pouvez nous rejoindre. Moi également ? Négatif. J'ai un tango qui se balade en dessous de moi, hein, c'est sûr. Je me déplace pour l'éliminer.
Reçu 3. On va prendre toutes les informations nécessaires. Ok. Les dossiers confidentiels, c'est bon. Ok. 3. Tu as visuel sur le tango qui était sous toi ? Non, je suis en train de fouiller les. Je sais pas comment on peut appeler ça, pas les égouts, mais. Les souterrains ? Ouais, mais je trouve rien pour l'instant. Ok. Donc là. On va libérer Corias. Je vais placer du C4 sur le matériel militaire, notamment le tank. Et l'espèce de coucou. Reçu. Est-ce que tu as assez de charge ou tu auras besoin d'aide? Négatif, j'ai que des mines. Ok, reçu. Ah, si tu peux me rejoindre. Tu pourrais placer deux charges, un à l'avant et un à l'arrière du tank, et sur les deux citernes. J'ai abrégé les souffrances d'un tango. Véhicule militaire, C4 posé. Ok, 3 en visuel. Tu as des charges de C4? Oui. Ok. Tu peux en mettre sur le coucou. Ok, un leader, citerne et char d'assaut possède désormais des pains de C4. Bien pris. Je me dirige vers la tour. Je vais me diriger vers la tour, histoire de prendre une vision globale du site d'opération. L'hélicoptère est piégé aussi ou pas? Juste derrière toi. Négatif. Si vous voulez, je peux le faire. Ok. Toi, tu pourras libérer le prisonnier, Corias. Ok, je me dirige vers les prisons. Bien pris. Il faut saboter une antenne relais aussi. C4 dessus. Vous pouvez répéter votre message 4? Il faut poser du C4 sur les antennes relais. Négatif. On va couper le courant de toute façon. Ok, 3 à tous, j'arrive aux prisons. Bien pris. 3 et 1. Je libère Corias ou pas encore? Affirmatif, vous pouvez le libérer. Ah, leader, je ne suis pas avec 3, je suis bâtiment tour de contrôle. Bien pris. On va faire exploser les charges de C4 à mon troisième verre. Mais on va attendre que 3 nous rejoigne. Vous êtes sûr que Corias était... Ah oui. Non, c'est moi qui l'avais pas vu. Okay. C'est le troisième... Corias libéré, je recolle sur vous. Bien pris. On est au dernier étage de la tour de contrôle. Avez-vous
Par contre, je sais pas ce qui branle, mais ça a l'air d'être un peu un fou furieux. Mais ils ont dû lui faire subir moult tortures. Je recolle au pas de course, hein. Il m'a bien pris. Donc on va prendre des photos sur les véhicules détruits comme preuve que l'opération est une réussite. Monsieur. Ok. Ah, mon troisième verre. Verre, verre, verre. Ok. Merde. Bon ben, ça fait une jolie explosion quand même. Le char est plutôt résistant. Ouais, malgré les citernes, oui. Ouais. Citerne. Ok, Damoclès de Ghost Unité, avons pris Ruby, poste de commandement localisé, Corias en sécurité, recontactons à Echo, terminé. Donc nous allons rejoindre Echo en traversant la vallée. Attention, papa nous signale la présence de drones en deux points, donc il faudra qu'on progresse avec prudence. Une fois sur Echo, nous nous ferons discrets pour la nuit. Et à l'aube, on va rejoindre notre prochain India. Est-ce bien pris ? Ouais, ouais, c'est clair pour moi. On a pas d'eau ? On va reprendre. On se rapproche au maximum. 4, vous pourrez répéter ? Est-ce que je peux pas prendre un Zodiac pour essayer de se rapprocher au maximum par l'avancée qu'il y a là, sur le côté ouest ? Je pense qu'on peut s'exfiltrer par l'hélicoptère même. Oui. Parce que sur le papier, papa nous a demandé de neutraliser le tank, les citernes et tout véhicule armé. Néanmoins, il n'a pas mentionné d'hélicoptère. Hauteur des vols. Pas de préférence. En razmot. Hélicoptère posé. Vous pouvez sortir. Ok, c'est notre bivouac. Reçu. Ok, Damoclès de Ghost Unité sur Echo. Nouvelle prise de contact à 0530. Terminé.